tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous annoncer aujourd'hui une nouvelle collection de mes tampons. Je ne m'attendais pas qu'elle soit prête si tôt et je suis trop contente parce que elle part assez bien. Vous avez très bien aimé, beaucoup aimé. Et je vous partage aujourd'hui un petit peu de quoi il s'agit. Je vous montre quelques exemples, quelques possibles combinaisons et je vous parle aussi un petit peu de ça. Alors, il s'agit de 6 planches. Elles sont toutes pleines de bonheur, de soleil, de bonnes ondes, de sourire. On a beaucoup de besoins. Je pense que la création, ça nous aide beaucoup à nous évader et à surmonter ces temps qui restent encore un peu compliqués. Et j'avais besoin d'un peu de trucs positifs, des messages positifs. Et c'est ça que j'ai voulu vous partager avec ces planches-là. Alors, je vous les présente vite fait et après, je vais vous laisser avec la vidéo. Alors, une planche pour les beaux jours qui arrivent. Il fait pas très beau, on a eu quelques beaux jours il y a peut-être une dizaine de jours, mais là j'attends encore les beaux jours, mais j'espère qu'ils vont venir. Je suis sûre même qu'ils vont venir. Après, le bonheur, je trouve qu'on a tous besoin d'un peu de bonheur. Les vacances, j'espère qu'on pourra bien partir en vacances et profiter dans des meilleures conditions ces vacances. Ici, j'ai mis, celle-là, je l'ai nommée vivre, aimer rire vivre. Pour moi, c'est un message que j'ai beaucoup, un peu partout dans la maison. Pour moi, c'est important. Après, j'ai fait aussi une petite planche pour le mariage. Je sais qu'il y aura des mariages en été. Et on me demandait beaucoup une planche pour mariage. J'espère que vous allez aimer. Et pour cette planche, je l'ai appelée courrier du cœur. Je trouve que c'est trop mimi, c'est pour tamponner vos enveloppes ou éventuellement la partie arrière de vos cartes où vous voulez vraiment parce que vous faites ce que vous voulez. Mais c'est comme ça que je l'ai pensé, que je l'ai conçu. Et je trouve que il y a des jolis rendus avec ces planches-là. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires gentils, pour tout ce que vous me donnez vraiment. Vous me donnez aussi beaucoup. Je sais que je vous donne beaucoup de temps, mais vous me donnez aussi beaucoup d'amour, de gentillesse, d'encouragement. Et ça me touche beaucoup. Et c'est ça qui me motive pour vous partager des créations et des projets. Alors, très bonne semaine. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, je voulais vous montrer, je suis trop contente, on va retourner ça comme ça. Je vais vous montrer, il y a 6 nouvelles planches. Je suis très contente. Je ne m'attendais pas, elles ont été fabriquées avant qu'il est prévu. En fait, c'est pour ça que je vous avais même pas parlé, mais moi, je les ai maintenant. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre en vente tout de suite. Et ça part très bien et je vous remercie beaucoup. Alors, il y a une planche mariage. Je vais vous montrer après des petites créations et pouvoir vous parler un peu individuellement. Bonheur. Tout est autour un peu de bonheur et des choses positives. J'ai trouvé vraiment qu'on avait besoin d'un peu de légèreté, de bonheur, de bonnes ondes pour essayer d'aller de l'avant. Après, il y a vacances. Danser, vivre, rire, j'aime beaucoup. J'ai dans une des chambres de la maison, j'ai un gros truc avec aimer, rire, vivre. J'aime beaucoup ces mots-là. Après, on a aussi les beaux jours, les fleurs, la nature, le jardin. Et celle-là, vraiment, je l'adore, je l'adore. C'est pour tamponner vos enveloppes ou même derrière la carte aussi. Vous pouvez le faire, je vous montrerai quelques enveloppes après. Je trouve que c'est mignon. C'est pour ça que, comme c'était pour les enveloppes, j'ai changé l'écriture, mais je trouve que le résultat, il est assez joli. Alors, comme d'habitude, je vous dis pour celles qui regardent pour la première fois mes vidéos, mes tampons, quand vous le voyez comme ça se trouve, il y a pas beaucoup de, ça fait beaucoup de, ça fait pas beaucoup de sens. Je ne sais pas. Le retour du fleur. Alors, pourquoi? Parce que mes tampons, en fait, ils sont faits avec des mots individuels. J'essaye de placer la majeure
quantité de mots que je peux. Alors des fois, c'est ça fait pas de sens comme ça. Mais j'ai fait des aides en PDF pour vous aider. Par exemple, ici sur la planche bonheur, on pourrait dire bah, elle s'est trompée. Ici, elle a mis pur en singulier et ici au pluriel. C'est parce qu'en fait, bon, déjà, quand vous tamponnez, vous pouvez enlever le S ici. Alors, on aurait pur bonheur. Et par exemple, je voulais avoir quelque chose qui puisse aller avec petit et grand bonheur. Alors là, petit et grand bonheur, bonheur, il doit être au pluriel. Alors c'est pour ça qu'il y a ce bonheur au pluriel. Mais c'est pour vous dire que quand on voit la planche comme ça, on ne pense pas nécessairement à tout ce qu'on peut faire avec. Et aussi, on peut combiner avec les vieilles planches ou même avec ces planches-là. Et c'est ça que je trouve que c'est un des points forts de ces tampons, qu'on peut les avoir comme basique et après faire presque tout ce qu'on veut avec. Et moi, ça m'amuse beaucoup et j'aime beaucoup ça. Je l'ai fait pour moi, pour mes cartes et c'est pour ça que je les partage avec vous. Alors, par exemple, avec la planche printemps, elle est où? Et là, printemps, les beaux jours, j'ai mis les beaux jours pour cette planche. Vous avez pour une seule planche, regardez la quantité de messages. Et encore, j'ai pas fini parce que hier soir, je me suis couchée assez tard en essayant de combiner un peu toutes mes planches, mais ça m'a pris vraiment du temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je vous partagerai tout ça, je le partage toujours. Vous pouvez aller sur le site ou sinon sur la description de la vidéo. Je vais vous laisser aussi le Google Drive où je partage tout ça pour que vous vous aidiez aussi quand vous allez utiliser vos tampons. Important, ces tampons, vous pouvez les utiliser aussi bien sûr pour faire du scrap. Il y a plein de tampons qui appliquent même plus à l'univers des pages des scraps ou des albums que pour la carterie. On peut toujours faire une carte des beaux jours. On peut faire des cartes de tout en fait. Mais peut-être que ça vous dit pas de faire une carte sur le jardin ou je sais pas quoi. Alors pensez aussi que vous pouvez les utiliser pour vos planches, pour vos scraps, pour vos pages de scrap, pour les mini, mais les albums. Alors il y a plein d'utilisations. Alors regardez un peu les messages avec cette planche de printemps. On m'avait dit aussi, vous soyez sincère et dites-moi ce que vous en pensez, que les messages ils étaient un peu trop grands. En fait, moi, j'aime bien, c'est mon style peut-être de scrap aussi, de carterie. J'aime bien travailler un peu le fond et que le message soit assez voyant avec un petit détail comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai fait en fait. Mais bon, dites-moi tout ça en commentaire. Il y a quelques-uns, je vais corriger un peu. Là, c'est, je viens de les imprimer. Je vois qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas très bien imprimés. Je vais voir ça avant de les partager pour vous. Alors, tout ça, tous ces messages-là, j'aime beaucoup. Le temps, par exemple, rappelez-vous aussi, c'est important. On peut, avec un tampon, on peut faire ce qu'on veut. Alors là, j'ai mis, ça c'est le temps. C'est le même tampon printemps où j'ai tamponné simplement ça et je trouve que ça reste. On n'a pas besoin de l'arabesque de ce côté-là, il reste aussi très très beau. Alors rappelez-vous que vous pouvez aussi ne pas tamponner tout le tampon. Je vous avais déjà montré, c'est très facile. Soit on met un bout de scotch avant de mettre l'encre, soit on vient nettoyer après l'encre avec quelque chose avant de tamponner. Et vous pouvez même tamponner partiellement des mots. Alors ici, le temps de profiter du jardin. Je trouve qu'on peut faire tellement des choses. Et c'est-à-dire qu'on va utiliser aussi les tampons. On va pas seulement être créatif avec les cartes, mais aussi être créatif avec les messages. Et je trouve ça vraiment super. Alors, je vous montre quelques. Ça, c'est que avec la planche. Et je vous mets aussi quelques idées avec d'autres planches. Alors, bonjour le printemps avec la planche bonjour. Photo dans la nature avec la planche famille. Des fleurs pour toi avec la planche pour toi.
profiter de moments ensemble. Si ça, c'est la planche famille, bonjour, c'est la planche bonjour. Alors, plein, plein d'idées. J'ai même pas vraiment exploité tout ce que je peux parce que je vous dis, j'avais pas trop le temps. Je vous montre aussi quelques créations que j'ai fait vite fait. En fait, je pense que vous avez allez reconnaître les cartes. En fait, j'ai pris des cartes, des vieilles cartes que j'ai comment on dit, que j'ai customisées ou je ne sais pas, que j'ai fait avec mes tampons après. C'était des cartes que j'avais déjà faites avec d'autres messages et là, je les ai refaites avec mes messages. Je trouve que c'est que ça rend bien. Je trouve que c'est pas énorme. Celle-là, peut-être que on voit pas trop le message. Les retours de beau jour avec un petit papillon. Ça, ce sont des fonds qu'on avait fait récemment, la dernière fois en vidéo. Et ça, c'est une vieille carte. Mais elle est un peu gondolée. Il faut que je la passe un peu à la Big Shot. Et là, quelque chose là que je vais voir après. Profiter des beaux jours. Profiter des beaux jours, non, profiter des fleurs. Alors, il y a plein de choses à faire. Ça, c'est le printemps. Ça va prendre du temps, cette vidéo. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais je ne vais pas faire autrement. Le bonheur. Alors, ça, c'était le printemps. Après, on a le bonheur. Alors, il y a le bonheur, il est écrit en trois polices différentes parce que ça dépend beaucoup de ce qu'on va faire et comment on veut combiner aussi. On peut mettre tout le bonheur du monde pour une carte, par exemple, de mariage. Je trouve que c'est aussi. C'est sûr que moi, je les ai arrangés d'une certaine façon. Vous, par rapport à votre carte, par rapport à un tamponnage que vous avez à côté, une fleur ou le motif que vous choisissez, vous pouvez bien sûr changer des positions, les tampons pour que ça s'accommode à votre carte. Alors, regardez la différence entre un message comme ça et comme ça. Moi, j'aime aussi ça, cette écriture comme ça, je trouve. Regardez, là, c'est coupé. Mais c'est pas mal aussi. Ça dépend, comme je vous dis, ce qu'on veut faire. Avec la planche bonheur, j'ai plein, 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 plein de choix. Avec d'autres planches, par exemple ici, meilleurs vœux de bonheur. Je trouve ça très joli. Avec la planche de vœux et la planche bonheur. Bonjour la vie avec bonjour, bonheur à volonté. Ça, c'est avec les dernières planches de, je pense que c'est grands-parents. 100% bonheur aussi, je pense que c'est bébé. C'est le bonheur, ça, c'est la planche, je pense, de Noël. Il y a plein, plein, plein de choix. Et j'ai fait deux petits exemples, je pense. Cultivant le bonheur. C'était une vieille carte. J'aime beaucoup cette écriture. Et il y a le bonheur aussi comme ça avec les arabesques. La même chose, cultivant le bonheur. Bon, je n'ai pas été très originale avec mon message, mais j'ai fait vite. Ah, et j'ai fait ça aussi. Je trouve ça hyper joli. Meilleur vœu de bonheur, je ne pense pas. Ça pour une carte de mariage. Là, je voulais vous dire aussi, ça, c'est du papier vélin adhésif que j'aurai très bientôt sur ma boutique. Je suis trop contente de pouvoir vous partager ça aussi et d'avoir trouvé. Bon, là, ça va pas être évident parce que je vois pas trop. Bon, mais je vous promets, c'est un papier vélin adhésif. Et là, on oublie tous les problèmes quand on veut coller le papier vélin. Alors, je vous partagerai ça très bientôt sur le site. Je vous laisse l'adresse du site par là. Après, il y a les vacances. La planche vacances. Détente, relax, évasion, destination, en mode vacances. Et les petits coquillages, j'adore, j'adore. Et ça rend très, très bien, même s'ils sont minus. C'est très, très joli. Alors, plein encore de choix. J'ai pas trop mis les petits coquillages, mais je vous dis vraiment, ça, c'est hyper joli. Ça rend même pour faire une petite déco, regardez comme c'est mignon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je trouve que c'est trop mignon. Alors, là, faut que je. Qu'est-ce que. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait là. Il faut que je revise ça. Je vous dis avant de les partager. Mais je pense qu'au moment de la sortie de la vidéo, ça va être déjà partagé, corrigé et partagé. Alors, 4 pages. J'ai 4 pages pour la planche de vacances. Alors ici, des idées aussi avec d'autres planches, photos de vacances, vacances en famille. Ça, c'est oui, ça c'est plutôt pour une page scrap, je vois, ou pour un album de scrap. Je trouve ça
Super beau. Même le titre d'un album comme ça, je trouve ça très joli. Profitons ensemble de ces vacances, souvenirs de vacances. Plein de trucs pour les vacances. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux petits trucs, des vieilles cartes avec des messages que je suis venue. Les temps des vacances avec cette petite cabine magnifique que j'adore. Trop beau. Ça, c'est un die magnifique. Et après, ici, j'ai mis évasion à la plage. Trop mimi cette carte. Après, j'ai encore. Celle-là, c'est danser, vivre, rire, aimer. J'aime beaucoup. Ça, c'est beaucoup pour combiner. Je sais pas, c'est peut-être plus pour scrap, mais pas nécessairement, comme je vous dis. On peut mettre envie de vivre, envie, joie de vivre. En ce moment, on a tous besoin d'aimer, de danser, de rire, de respirer. Et c'est pour ça, en restant bien sûr respectueux des gestes barrières, vraiment. Mais je trouvais, même un peu, c'est un peu pour rigoler, un peu marrant, mettre sans masque. Alors, on peut rire sans masque, aimer sans masque, danser sans masque. Je vous dis, c'est pas pour inciter à ne pas être respectueux, mais c'est simplement parce qu'on a un peu besoin. Et je pense que quand on sera vacciné, on pourra, comme aux États-Unis maintenant, on pourra un peu refaire notre vie sans masque. Alors c'est pour ça que j'ai mis ce petit mot là-bas. Alors oui, on peut faire plein de messages, éclats de rire, il faut danser, vivre avec joie, vivre l'instant présent, il faut aimer, il faut vivre. Alors beaucoup des messages positifs. Rire ensemble, tu me fais rire, vivre d'amour, vivre au soleil avec la planche, les beaux jours. Plein, plein, plein de possibilités avec chaque planche. Ici, j'avais mis celle-là, je ne les ai même pas fait en carte. J'ai que le fond pour prendre quelques photos. Envie de danser sous la pluie. Je trouve ça mignon. Aimer, rire, vivre. Il y avait un petit message qui dit plaisir simple, quelque chose comme ça. Je vais la finir comme ça. J'aime beaucoup ces écritures. Respirer sans masque. Vous voyez, là, je l'ai utilisé. J'ai trouvé ça marrant. Moi, personnellement, j'avais besoin d'un peu de légèreté. En plus, ma famille est loin aussi. Et au Costa Rica, ben là, peut-être ça vous intéresse peut-être pas trop, mais là, le Covid en ce moment, c'est trop compliqué. C'est un pays pauvre, alors c'est encore beaucoup plus compliqué. Les gens qui ne travaillent pas n'ont pas d'aide de rien du tout. Alors, c'est une situation sociale très, très compliquée. Et le Covid fait vraiment des ravages là-bas. Alors, et ma famille, presque toute ma famille est là-bas. Alors, je pense beaucoup à eux. J'espère que. Ils vont bientôt s'en sortir. Ma mère, au moins, elle est vaccinée. Je suis trop contente de ça. Mais bon, de toute façon, il faut faire très attention. Pardon. Là, la planche mariage. On me l'avait beaucoup demandé. J'espère que vous allez aimer. Ça reste assez simple, mais je trouve que les rendus sont plutôt jolis. J'avais fait des cartes déjà de mariage. Je vous laisserai la vidéo par ici. Et là, simplement, je suis venue changer justement les messages en utilisant ma planche. Félicitations, vous souhaitant amour et bonheur. Le bonheur, vous pouvez le changer. L'amour, vous pouvez le changer parce qu'on l'a dans d'autres planches aussi. Et par exemple, vive les mariés. Ce sont des cartes assez simples. Ici, quelle combinaison? C'est le jour J, si c'est pour un album de scrap aussi, un jour parfait. Il y a plein de choses pour éventuellement faire un album de mariage et l'offrir aussi. En vous souhaitant amour et bonheur, oui, comme je vous ai dit, là, il y a les deux. Vive l'amour, amour et bonheur pour toujours, parfait amour. Et encore, je n'ai pas eu le temps de continuer à faire des combinaisons. Après, il y a celle-là. J'aime beaucoup, et comme je vous dis, c'est plutôt pour les enveloppes ou la partie arrière des cartes. Là, j'ai pas fait, j'ai pris des vieux enveloppes en fait. Je voulais vous dire, si vous laissez les cartes au soleil, je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez ce que le soleil fait sur mes cartes et l'abîme. Vraiment, on dirait pas, mais l'abîme. Alors, j'ai dû changer plein plein d'enveloppes pour mes cartes et je les garde maintenant, je les laisse pas à l'extérieur. Mais regardez ce que ça donne. Et encore, j'ai tamponné vite fait. Mais je trouve que c'est trop mimi pour envoyer. Je trouve ça trop, trop beau. J'aime beaucoup. Je
te vois sourire déjà. J'ai adoré. Pas de prix, c'est moi qui l'ai faite. Bisous. Ici, vous pouvez mettre bisous à l'intérieur ou beaucoup d'amour à l'intérieur ou beaucoup de bisous à l'intérieur, beaucoup de câlins à l'intérieur. Fait spécialement pour toi par. Là, vous pouvez le faire derrière la carte, par exemple. Fait spécialement pour toi par et vous signez. Faites avec amour. Courrier du cœur, celle-là, elle est trop mimi. Bisous. Courrier du cœur, là, parce que j'ai pas aimé, j'ai pas tamponné avec le bon. Le bon encre. Une petite encre, c'est. Je sais même pas. Une encre. Je sais pas. Vous me direz. Excusez-moi. Une petite carte, j'ai pas mangé, je pense que j'ai faim. Une petite carte faite main. Fait main, pardon, fait main. On peut dire les deux. Parce qu'on dit du fait main, alors c'est pour ça que je me suis renseignée. J'apprends le français en même temps que je fais mes tampons. J'ai appris beaucoup de choses. Ici, j'ai mis 100% original et encore les bisous. Et ce n'est pas une facture. Ça aussi, j'ai trop rigolé en faisant ça. Je trouve que cette planche, elle est très, très belle. Elle est différente. L'écriture, elle est différente. Mais là, je la trouve très. Très joli aussi, et ça c'est très clair, ça se lit très bien. Je pense que je ferai après d'autres choses avec cette même écriture. Alors aussi, pardon, et je finis avec ça, c'était un peu long, je suis désolée. Il y a aussi, si vous achetez le set, en fait j'ai fait le set de 5, le mariage il est à part, mais de toute façon vous pouvez tout acheter en individuel si vous voulez. Mais pour celles qui achètent le set des 5, j'offre le die, ce die-là, voyage, bonheur, vacances, amour. Et je vous montre ici ce que ça donne. Peut-être qu'après, je l'aurai aussi en vente, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je les réserve aux commandes pour le set. Il y en a eu pas mal déjà. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais annoncé ça. Avec la newsletter. Alors, si vous voulez être alerté le premier quand je sors des planches de tampons ou des nouveautés sur le site, allez vous inscrire, allez visiter le site et vous inscrire à la newsletter. Et là, vous serez le premier à savoir toutes les nouveautés et toutes les choses que j'ai à vous dire en premier. Je vous dis merci beaucoup. Merci pour tout, vraiment. C'est magique pour moi, c'est magique. J'ai eu quelques visites cette semaine avec le masque, bien sûr. Mais j'ai pu partager avec quelques-unes de vous et ça me touche énormément de savoir que vous aimez cette chaîne, que vous essayez les idées, que vous trouvez ça bien. Je vous remercie beaucoup, 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 tout votre soutien. Ça me touche vraiment. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, je me pose des questions si je dois continuer ou pas. Mais bon, avec tout cet accueil et tous les commentaires que j'ai, vraiment, ça me booste. Et ça me donne toute l'énergie et l'amour dont j'ai besoin pour continuer à vous partager mon amour aussi, mes créations et mes idées. Alors, j'ai fini. Merci beaucoup. Désolée d'avoir trop parlé, mais c'était comme ça aujourd'hui. Je vous promets des idées, des très bonnes idées la semaine prochaine avec un partenariat dont je suis trop contente. Vous saurez plus la semaine prochaine. Gros bisous, bonne semaine et merci beaucoup. Allez voir le site si vous n'avez pas visité encore. Ciao, 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 bonne semaine, merci. Si vous avez un compte Instagram et vous voulez me suivre, je vous laisse aussi par ici mon adresse.